Ride avec moi, my ride or die. Ride avec moi, ride avec moi. My ride or die, my ride or die. Ride avec moi, ride avec moi. T'es ma ride or die, ride or die. Alors je me présente, Dan P Baby. Je suis ici à la Maison des Jeunes et j'ai la chance de faire une entrevue avec Zone Rap, la plateforme web numéro 1 au Québec. Bienvenue dans la zone. Dans la zone, une présentation de la plateforme web ZoneRap.com. ZoneRap.com, partage le truc, partage la zone. Ride or Die, c'est une chanson très importante pour moi parce que, à prime abord, j'avais commencé en faisant du rap. Puis le rap québécois a une grande place dans ma vie. J'ai pris un petit détour vers le chant parce que je suis un grand romantique et j'aime séduire mes fans avec mes chants d'amour. Mais le rap m'a toujours interpellé et quand j'ai entendu une musique de mes grands influenceurs Sans Pression, ça m'a inspiré à écrire Ride or Die avec sa tune Number One. C'est un nouveau single qui va suivre un nouveau album que je vais sortir en mai-juin. Le Dan P de 2020 est beaucoup, beaucoup plus sérieux et professionnel. J'ai d'ailleurs maintenant mes danseuses qui sont avec moi, Ngoné et Vanessa, que vous allez voir tantôt dans ma performance. J'ai des choristes aussi pour mon prochain show solo qui s'en vient en avril-mai. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, dont mon retour au Mexique, au Grand Oasis. J'ai été invité à chanter dans un hôtel devant tout le monde pour le Spring Break. Commencer vraiment en secondaire, quand que je voyais mes frères avec ses amis faire des spectacles un peu partout, ça m'a inspiré à devenir un artiste, puis j'ai commencé avec secondaire en spectacle. C'est là que quand j'ai vu la réaction du public, j'ai su que je voulais faire ça de ma vie. Fait que j'ai participé au Cégep en spectacle, j'ai fait des shows à travers le monde, Québec, Mexique, Jamaïque, Cuba, puis ça n'a jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui. Ce qui me pousse, c'est le fait que de voir les fans qui m'encouragent, même s'il y a du monde peut-être proche de toi qui te disent d'abandonner, que c'est pas la meilleure job possible. Ce qui me pousse à continuer, c'est de voir le sourire, surtout l'énergie des enfants que je peux leur donner et qui me disent que j'ai changé leur vie et qu'ils ont envie de faire ça aussi. C'est juste ça me pousse à continuer puis aller encore plus loin puis me surpasser. Rien n'était possible dans la vie. Il faut juste croire en toi. On a une foi en soi, c'est pas ma foi les filles, c'est ton allumeur. C'est dans la racine des justes, d'être des charmeurs. J'ai appris de combattre mes peurs avec ardeur. Quand ma femme avec moi, tu passeras pas de mauvais quart d'heure. C'est sûr que, comme je l'avoue, je suis un romantique, je suis un amoureux de l'amour. Alors, ma musique s'adresse beaucoup aux femmes, mais j'ai vu dans les shows qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment ma musique. Et d'ailleurs, Ride or Die, est-ce pourquoi j'ai voulu rapper encore pour avoir une clientèle un peu plus vaste de 8 ans à XXX? Être un père monoparental, c'est pas évident. J'élève ma petite fille depuis qu'elle a l'âge de 3-4 ans. Pour moi, c'est quelque chose de fluide. Et je veux montrer à ma fille que rien n'était possible dans la vie. Aller à l'école, travailler, puis poursuivre son rêve dans la musique. Tout est faisable si tu mets le temps à la bonne place et la persévérance. Tout est possible. J'aimerais remercier Sans Pression pour l'inspiration pour Ride or Die. Kev D qui est toujours là avec moi dans toutes les shows, qui va m'accompagner d'ailleurs au Mexique. Kaya
qui m'a aidé à naître à Longueuil. Sans lui, j'aurais pas été jusqu'à là. Alors, un gros merci à Kaya Patrick, puis à toutes mes fans qui me suivent depuis le début, qui sont là pour moi, qui croient en moi. Je crois en vous aussi, je vous aime. On a tous une ride or die dans la vie. Et je vais vous montrer ma définition de ride or die. I don't know, say ride or die, let's go. Okay, my ride or die, la nuit est dans. Show me what a ride with me, ride with me. Ride with me, ride with me. On a tous une ride or die. Que ce soit ta meilleure amie, ton père ou ta mère, cette personne-là va te répondre à 2h, 3h, 4h du matin. C'est ma définition de ride or die. Toutes mes tunes sont disponibles sur Spotify, dont mon nouveau hit Ride or Die. C'est la sonde. Son bras, c'est la source numéro 1 d'annonce de rap. Partage le truc, partage la sonde.